Alors, petit réveil à Piana, hein. On n'est pas bien, hein. Il fait déjà très chaud. Il n'est même pas 8h du matin. C'est super calme. Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Voilà. Alors, là, on est bien. Ça roule pas. On est bien. Voilà, le bateau bouge pas ni rien, mais. Cette nuit, c'était vraiment très sportif, quoi. Voilà. Très, très sportif cette nuit. C'est hallucinant. Ah, je suis pas réveillé, j'en perds l'équilibre. Ouais, c'était rouleur tout le temps. Ah ouais. Endroit magnifique, mais par contre, pourtant la mer était calme, il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Mais le bateau, il roulait de droite à gauche, c'était hallucinant. Hallucinant. Voilà. Et là, ben, on va prendre l'annexe. Et comme promis, hier, on vous a dit, on va vous faire découvrir vraiment toutes les calanques, là, en annexe. Et après, je pense qu'on va manger un morceau ici à Piana et on va dormir à Girolata, juste à côté. Voilà. Voilà le programme de la journée. Allez. À plus, à de suite. On prend l'annexe, on vous amène balader. C'est parti. Allez. On va balader. À tout à l'heure, mon Liberty d'amour. On est seul au monde là, ce mouillage, c'est le top. C'est clair. Ah, c'est vraiment le top. C'est clair. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sous l'eau. Et GoPro. On va essayer de partager des images, essayer de vous montrer ce qu'on voit nous avec nos yeux parce que c'est pas facile. C'est pas facile de pouvoir montrer à la caméra, à l'image, la beauté de ce qu'on voit avec nos yeux, quoi. C'est magique, on voit des trucs magiques, magnifiques, et on aimerait vous les partager. Ah, regardez le fond déjà. Regardez les fonds. Allez, on continue. Bon, allez, va. Donc là, on était là-bas. Le Liberty est là-bas. Ouais, à la caméra, vous n'allez pas trop voir. Il est là.
Et voilà. Hop là. Allez, c'est parti. Nous quittons le mouillage de Piana. Voilà, nous sommes là, Piana. Nous quittons le mouillage de Piana. Et on va aller mouiller ici, derrière le cap, là, à la Girolata. Au golfe de Girolata. Voilà. Donc, ben voilà, on a passé un super moment à Piana. Bye bye, Piana. C'était génial. Des superbes vues. Des superbes criques, des très très belles calanques. Bon, on n'a vraiment pas bien dormi parce que ça remue. Honnêtement, pourtant, il n'y avait pas de mer. Il n'y avait pas de, il y avait pas de houle, pas de vent. Et le bateau, alors, il remuait. Et le bateau, il remuait. C'était incroyable comment le bateau était rouleur. Incroyable. Mais sinon, mis à part ça, splendide. Voilà. Et donc là, avant de redescendre vers le sud, où on sera le plus à l'abri, on va faire un petit mouillage. On va dormir ce soir à Girolata. Alors là, quand on part de Piana, à l'heure où on part, là, je ne sais pas si on a choisi la bonne heure, parce qu'il y a plein de bateaux qui transportent les touristes là, pour visiter les calanques, etc., qui nous passent devant, mais ils en ont strictement rien à faire. C'est un truc de fou. Ils vous coupent la route à je ne sais pas combien, ils nous font des vagues en veux-tu en voilà. Ah, ils s'en foutent complètement, mais royal. Hein. À la limite, on les fait chier, quoi. C'est ça, en fait. Je pense que c'est ça, c'est qu'on doit les emmerder. Pourtant on fait rien de mal, hein. On est juste là au mouillage, mais je pense qu'on doit légèrement les faire chier, on ne sait pas pourquoi. Alors bref, voilà, allez, c'est parti. J'ai même pas préparé la grand voile. C'est juste à côté, en fait, c'est juste la baie d'à côté, juste la baie d'à côté. Derrière là, il y a 5 nœuds devant, donc honnêtement, ça vaut même pas le coup de courir. De préparer la grand voile, tout ça, pour rien faire, quoi, pour pas faire de voile, ça sert à rien. Allez, on y va, un petit coup de moteur, on verra si mitragé on peut sortir un peu de génois pour avancer en silence. Et puis voilà, allez, on se retrouve à la Girolata, c'est parti les amis. Et mes amis, on fait un peu de voile là, ça fait du bien, il y a à peu près 11-12 nœuds de vent, on est à 4 nœuds, 5 nœuds. J'ai sorti que le génois, la flemme de préparer la grand voile et tout. Vraiment la flemme, quand on est en vacances, on a la flemme. Voilà. Non, et puis même, franchement, j'allais pas préparer la grand voile et tout ça, juste pour aller là-bas, quoi. En face, vous voyez. C'est juste en face, quoi. Donc on a mis un peu de génois, enfin, on a mis le génois, tout simplement. On est au pré. On fait entre 4 et 5 nœuds, bon. Il monte là le vent, hein. Voilà, tranquille, on est bien. Ça monte. Voilà, voilà. On est super bien. Enfin du vent. On doit faire un peu de voile. C'est génial. Voilà, voilà. État de la mer. Bon. Des petits creux de allez, 80 cm, 1 mètre. On est bien. On est bien. Voilà. Et on va aller se mettre à l'abri derrière là-bas à Girolata. Allez, les amis. On y va. Tranquillement. On laisse Piana devant nous, c'est un endroit magnifique à Piana, magnifique, magnifique. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, on est bien, on fait toujours route vers Girolata. Bon, c'est génial parce qu'il y a entre 12 et 16 nœuds de vent, on va dire. Et puis le bateau, il reste entre 5 nœuds. Attendez, je vais le mettre là, ça va être plus visible. Voilà, il reste entre 4 nœuds 8, 4 nœuds 9 et 5 nœuds 5. Voilà, avec juste le génois, ça suffit, quoi, voilà, pour presserrer. Voilà, tranquille, pour faire le petit parcours qu'on a à faire, ça ira très bien. Moi, bon, je sais, les puristes vont me dire, ouais, mais tu sors pas la grande voile, le bateau n'est pas équilibré, tout ça. Oui, je sais que le bateau n'est pas équilibré, mais je me répète, j'ai la flemme, les gars, pour parcourir un très peu de distance. Aller d'un point A à un point B, là, vite fait, là, pour aller mouiller à Girolata qu'on ne connaît pas, franchement, j'ai la flemme, là. J'avais tout bien attaché, tout la grand voile pour cette nuit, on ne sait jamais si le vent se serait levé. Donc là on y arrive tranquillement à 5 nœuds, là. Hein, no stress, il n'y a pas de stress, il y a...
moyens. Enfin, tu ne suis pas toi. Hein. Bordel, elle est trop à côté. Là. Bon, allez, on continue. Le trajet se passe à merveille. Normal, on fait de la voile. Pas de problème. Hein. La mer est super belle. Bon, il y a des petits creux quand même. On reste entre 10 et 15 degrés de gîte. Le bateau est bien équilibré. Voilà. Très bien équilibré. Sans la grand voile évidemment. Mais on voit qu'il est bien dans, il est bien dans ses baskets, là, le Liberty. Là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a, ça moutonne un peu. Il y a un petit 80 cm de houle. Mais c'est gentil, c'est mignon. Avec un air chaud dans la tête. Là. On est bien. Qu'est-ce qu'on est bien, Tintin. Allez. Allez, on se retrouve à la Gibraltar, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, mes amis, nous voilà arrivés dans le golfe de Gibraltar. On va rentrer dedans, dans le golfe de Gibraltar. On est à l'entrée. Hein. Oh, c'est toujours aussi beau. Hein. C'est le même style de paysage qu'à Piana. Il n'y a pas de problème. Sauf que on change d'endroit, voilà. Et c'est toujours aussi beau, quoi. Tranquille. Hein. Tranquille, tranquille. Vous voyez. Apparemment, bon, je vais avoir confirmation quand même parce que je vais appeler, mais apparemment toute cette zone là à gauche c'est du mouillage un peu sauvage. Et puis à droite là-bas, on a du mouillage. Apparemment, ce serait le mouillage sur les bouées. Alors je sais pas. Cette zone là, une zone là bas aussi au milieu, donc je sais pas, je vais appeler sur le canal 9 comme ils disent sur le bloc marine là. Sur le canal 9 je vais les appeler et puis on va leur demander ça. Bon, ce serait pas mal d'avoir une petite bouée là pour cette nuit parce que je regardais la météo là et apparemment la houle devrait quand même rentrer dans le golfe, donc voilà. Écoutez, on va voir, on va décider ça, on a le temps, on rentre à peine dans le golfe, c'est immense. Hein. Là c'est des baies qui sont immenses ici en Corse. Hein. C'est pas poli quoi hein, chez nous. C'est vachement plus grand quoi, c'est immense. Voilà. Donc on a de quoi faire et puis on a le temps quand même de prendre des décisions quand on est à l'entrée. Donc on va se concerter avec madame, on va faire une réunion. Ok. Petite ouais. Réunion là, et ouais. Puis on va décider ça. Voilà, parce que l'heure est grave. Ouais. Allez. À tout à l'heure, mes amis, on vous tient au courant de toute manière de la sentence. Allez, bisous. Bon, mes amis, bien arrivé à Gibraltar. Bah, à peine arrivé, bah, j'ai sauté à l'eau, hein, évidemment. Hein, elle est encore plus chaude. Donc, le concept ici est génial. En fait, on rentre dans une petite baie. On rentre dans une petite baie, vous voyez, là, voilà, là on est dans la petite baie, on rentre par là-bas, il y a un chenal d'accès, et le Bosco nous place à des bouées, donc on est amarré par l'avant, et on est amarré par l'arrière tribord, à la bouée, donc en fait on est vachement stable, derrière nous il y a une petite plagette, des petits pontons, avec plein de petits commerces, un petit resto là-haut, sympathique comme tout. Si vous voyez comment c'est joli l'endroit, le concept est vraiment magnifique. Quoi. Voilà, c'est impeccable. Donc on va passer la nuit ici. Et puis voilà, suivant la météo, tout ça, normalement on repart demain dans le sud. Voilà. Donc... là, on devrait rester là une nuit et repartir demain matin. Et là, au cul du bateau, en dessous du bateau, c'est pas des oblades qu'il y a. C'est des dorades, c'est des sars. C'est incroyable. J'ai plongé là avec le masque, là, vite fait, tout à l'heure, là, pour voir qu'est-ce qui se passait en dessous. Je regarde en même temps là-bas parce que c'est la guerre entre les Bosco. En fait, il y a plein de. Pas les Bosco, mais il y a plein de petits bateaux comme ça. Vous voyez, ça, c'est des bateaux qui amènent les gens balader. Et ils se disputent les places sur le ponton là-bas. Voilà. À qui prendra le plus de touristes en premier, quoi. Voilà. Pour leur faire le tour de la baie.
qui est magnifique, hein, mais ça doit coûter bonbon. Voilà. Allez, sur ce, nous, on va se préparer un petit apéro, hein, à Girolata, après un bon bain, ça fait du bien. Une petite nave qui s'est super bien passée, comme vous l'avez vu, petite nave sous génois. Hein, ma chérie? Oui. Et voilà, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre les jarres. Ok. Il fait trop chaud. Elle ouvre les hublots, mais par contre, ouvre que les hublots. N'ouvre pas les rideaux, parce que sinon, si on a le malheur d'ouvrir les rideaux, la chaleur elle rentre dedans dans le bateau, c'est cuit. Hein, on n'a pas la clim, nous. Hein, donc, voilà. Allez. Bisous. Et à tout à l'heure. On va se prendre un petit apéro, petite tranche de copa quand même. Tiens, que du bonheur. Qu'est-ce que t'en penses de Girolata? C'est mignon comme tout, écoute. C'est, vrai, c'est un concept qu'on ne connaît pas. Et le truc des bouées, là, deux bouées à l'arrière et une bouée à l'avant. Mmh. Franchement, on est dans quoi, 1,90 m d'eau. Ouais. On voit le fond. Ça te plaît ça, hein, ça comme bouée. Non, c'est super mignon, j'aime bien. C'est, ouais. c'est sauvage, hein. Tu regardes, c'est sauvage. Hein. Alors là-bas, j'ai repéré déjà de loin, j'ai vu écrit, il y a une petite épicerie. Ouais. Donc on va peut-être pouvoir voir si on peut racheter des légumes peut-être, mmh, ou voir ce qu'il y a. Ouais. Là-haut, il y a un petit restaurant. Ouais, on va y aller ce soir. Le petit fort là-haut, il est magnifique. Tu l'as filmé ce petit fort? Non. Il est beau comme tout. Non, mais on va aller marcher. On dirait qu'il est en sable, on dirait un château de sable. On va aller marcher à la fraîche tout à l'heure avant d'aller manger un morceau au resto. Voilà. Ah, il y en a plusieurs de restos. Il y a le Bon Espoir. Ouais. Ouais, le Bon Espoir, il nous l'a dit, le Bosco, tout à l'heure. Le Bon okay. Espoir et le... Et les amis, on vous laisse. Petite sangria bien fraîche. Allez, le à tout à l'heure. Bon, mes amis, on est débarqué à terre. Et voilà. Donc là, on a le petit coin sanitaire. Magnifique comme tout. On dirait plutôt une petite escale dans un petit port. Dans les îles, quoi. Voilà. C'est un concept totalement différent de ce qu'on peut rencontrer normalement d'habitude dans les ports qu'on connaît, quoi. Là, on a une espèce de bar là, avec une petite terrasse, des belles tables en bois avec des super parasols magnifiques. Là-bas, c'est sûrement un chemin de randonnée qui va dans le maquis. Bon, là, il fait un peu trop chaud, hein, honnêtement. Sinon, on aurait été avec Sophie, mais là, il fait très très chaud, quoi. On vient de se baigner là, au cul du camion. Et là, et ben on va un peu promener dans la Girolata et ben payer notre bouée. Le Liberty est là, pile poil là. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais vous voyez, c'est des bouées, c'est vraiment sympa, quoi. Vraiment, vraiment très très sympa. Voilà. La Corse, c'est ça aussi, voilà. Une vache. En liberté, allongée. Alors ma belle, coucou ma belle, comment tu vas? Tu dis bonjour à mes abonnés louloute. Oh, le sommeil, elle est fatiguée. En tout cas, t'es belle, hein, ma fille. Ah là là, qu'elle est belle. Voyons. Voilà. Une belle petite vache. Et en plus, elle est gentille. Allez, laisse-la tranquille. Voilà. Voilà, voilà. Superbe endroit, la Girolata. Franchement, Girolata, c'est magnifique. Après, on va aller promener par là. On va monter là-haut. On va essayer de se balader un peu. En haut, il y a une espèce de fort. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Allez, on va payer. Puis, on va essayer de vous montrer cet endroit majestueux. Honnêtement, c'est fabuleux. Magnifique. Hein, vous voyez, c'est plein de petits... De petits bars comme ça, avec les murs en pierre, les parasols comme ça, les vaches en liberté à l'entrée. Oh, ça c'est beau, ça, voilà. Ça me plaît, ça. Voilà, les vaches comme ça. Salut louloute, t'es belle comme tout. Ça c'est beau, ça. Impeccable, magnifique. Ouais, donc c'est un endroit qui est accessible que par la mer. Voilà.
Il y a même des gens qui habitent là-haut, vous voyez, tout ça là c'est des habitations, il y a des très belles habitations là-haut. Une dizaine d'habitants ouais. À l'année. Une dizaine d'habitants à l'année quoi. Qui vivent isolés. Isolés, coupés du monde, et c'est le top quoi. On ne peut pas y accéder autrement qu'en bateau. Ouais. C'est fabuleux. Mais bon, ça ne les empêche pas d'avoir des petits commerces, hein, mignons comme tout. Bonjour. Voilà. C'est... Enfin, moi j'adore hein, cet endroit, Girolata, là, c'est vraiment magnifique. Hein. Magnifique. Voilà. Là, on revoit le Liberty qui est là-bas. Là-bas, au mouillage. Enfin, à la bouée. C'est fabuleux. Allez, on va aller se balader un peu. Hein, on va aller se balader un peu. Oui. Allez, c'est parti. Alors, comme je disais à Sophie, mais il n'y a que là qu'on voit ça, franchement. On est amarré à la bouée, on est confort comme au port, on peut se baigner au cul du bateau tranquille, on est entouré de vaches, de poules, c'est, l'endroit est paradisiaque, c'est magnifique, on est, les vaches elles marchent avec nous, on a les poulaillers, j'ai les poulaillers à ma gauche et le bateau à ma droite, non mais sans déconner. Pour moi, c'est le rêve en fait. Habiter dans un endroit comme ça, mais c'est un truc mais démoniaque quoi. Là, je me verrais bien habiter ici à l'année, oui, sans problème. Sans problème. Ah oui. Honnêtement, voilà, c'est tout à fait mon style de vie, ça, isolé, coupé du monde. En plus, les gens qui sont ici, ils sont vraiment autonomes quoi, la plupart. Je vois qu'il y a pas mal de potagers, d'élevage. Ils mangent leurs propres produits. Voilà. Et pour le reste, ils se font quand même amener par bateau. Et il y a l'embarcadère aussi qui vient les chercher voilà, pour aller faire les courses. Pour 3 semaines, mois, comme il nous expliquait un gars là en bas. Et voilà, tout se passe très bien. Quoi. Mais c'est vraiment un endroit fabuleux. Alors je me répète, si vous venez en Corse, la Girolata, l'incontournable. C'est l'incontournable. On vient de Piana. On s'est dit, Piana, c'est ouf, c'est le rêve. On vient à la Girolata, je vous dis, c'est l'incontournable. Pour l'instant, la Corse, c'est magnifique. Magnifique. Commencez par Calvi, c'est très bien parce que ça repose bien, etc. Et puis c'est mignon comme tout. Mais il n'y a pas trop de décalage avec le continent. Mais là, Piana, Girolata, c'est tout un autre monde. Vous êtes dans un autre monde, c'est pas compliqué. C'est fabuleux. Allez, Mistengata, on avance. On avance. Ouais, je sais, ouais. J'ai loupé ma carrière, moi. J'aurais dû faire la Starac. Tout le monde me le dit. Allez, on y va. Allez. Encore une copine. Salut, ma belle. Et alors? Ah, elle t'embête, les mouches. Hein. Eh oui. Allez. Là-haut, il y a une superbe vue sur la baie. C'est magnifique. Ah, ouais. Voilà. Elle est pleine de mouches, elle a une plaie à l'œil. Ouais, pauvrette. Ah, qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Vue sur la baie de Girolata. Magnifique. C'est magnifiquement beau, hein. Voilà, le Liberty est là. Tac. Et là, on dirait une petite escale aux Antilles, on dirait pas, on se croirait pas en Corse. C'est tellement beau. Magnifique. Allez, on continue la petite balade. Tranquille, on va se trouver un bon petit resto pour ce soir quand même, marquer le coup ici la Girolata. Voilà. C'est magnifique. Donc ça y est, c'est fait, on a réservé une table pour deux dans ce magnifique restaurant. Voilà, avec les tables vues directement sur la baie. C'est magnifique. Alors, programme de ce soir. Donc c'est quoi, Miss Tenguette, le programme de ce soir? On boit l'apéro en bas. On boit l'apéro au Gobi. Au Gobi. C'est le Bosco Zer. Voilà. Joseph dit Zer. De Calvi qui nous voilà, a conseillé de venir au Gobi. Parce qu'ils font pas le service restauration le soir, c'est dommage, ouais. On aurait mangé là-bas. Et là, on va manger
au bon espoir, le bon espoir. Au bon espoir, restaurant le bon espoir. Le plus haut perché. Au Girolata, voilà. Le plus haut perché. Et c'est, je me répète, c'est fabuleux. Allez, on va gambader maintenant. On va marcher un peu par droit, par là-bas. Hein? Parce que là, ici, c'est chez l'habitant, donc c'est des chemins privés. On ne peut plus continuer, ce qui est normal. Hein. Je les comprends, ils ont leur tranquillité. Le bel ombrant. Ah, il y en a un autre là, de restaurant. Oui, le bel ombrant. Ouais. Bon, c'est pas grave, on a été réservé là-bas. C'est fait, de toute manière. L'endroit est aussi beau. Ouais, donc comme je vous disais là, je les comprends, les gens, c'est pratiquement que des chemins privés dans cette zone. On faisait quoi au bel ombrant ? Donc c'est un peu normal quoi. Après, on a quand même de quoi se balader. Et là, il y en avait encore un autre, la terrasse. Ouais. Là, on peut monter. Hein. Allez, on va monter. On va voir ce le bel ombre. Encore un resto. Voilà. Vous voyez un peu l'ambiance, le décor qu'il y a ici. C'est vraiment atypique, c'est magnifique. Voilà. Voilà, voilà. Toujours suivi par des vaches, par tout ce qu'il faut. Ouais, on là, continue la balade là. On n'est pas du bon côté. Voilà, là, 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 que c'est beau, que ça me plaît. Voilà, les maisons atypiques là, comme ça, dans le maquis. Devant, tout ça, c'est le maquis au fond. C'est le top. On va croiser un âne. Voilà. Un âne qui croise un âne. On va se comprendre, lui et moi. Oh. Allô, mon copain. C'est magnifique. T'es beau, mon ami. Ah là là. T'as pas l'air malheureux, mon ami. Là. Eh ben, je te comprends. Moi. Voilà. Et de ce côté, on a l'autre vue de la baie, en fait. Voilà, on a la vue de la baie par derrière. Vous voyez, voilà. Et là, tous les bateaux que vous voyez là en bas, et voilà, c'est des bateaux qui vont. En fait, ces bateaux-là, ils vont chercher les touristes. Enfin, les touristes comme nous, hein. Nous aussi, on est des touristes, hein. Mais ils vont les chercher à terre. Et il les amène ici, voilà, passer quelques heures à la Girolata. C'est fabuleux. Impeccable. Allez. Elle est en forme, la miss, là, hein. Elle est en forme. Allez. Pff, je suis éclaté. Je suis éclaté, là. On n'a pas bien dormi à Piana. Ça a roulé, mais ça a roulé. Et j'ai pas compris parce que la mer était plate, il n'y avait pas de vagues, pas un pet de vent, mais qu'est-ce qu'il était rouleur le bateau, c'était impressionnant. Qu'est-ce qu'on a mal dormi. Ah, ce soir on va bien dormir, hein, parce que à Girolata, vous avez un mouillage sauvage aussi, hein, l'autre côté. Mais c'est pas pareil quoi. En plus, d'après la météo, il va quand même y avoir un peu de vent de sud-ouest. Hein. Donc je pense que ça va un peu rentrer quand même dedans. T'as vu le fort ? Ouais, j'ai vu le fort. Donc je vous disais, on sera quand même vachement mieux et plus confort à la bouée quoi. On sera beaucoup mieux. Voilà. Allez, à tout à l'heure mes amis, si j'ai pas agonisé d'ici là. Je vous aimais bien. Alors, après X temps de marche, on va faire arriver sur un terre-plein en haut de la Girolata avec une piste d'hélicoptère. Voilà. Là où un hélico peut atterrir, on ne sait jamais pour les pompiers, des choses comme ça. Enfin, ici, il vaut mieux pas se faire mal à la Girolata, hein, je vous le dis. S'il n'y a pas de route, il n'y a rien. Hein. Et avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Voilà. T'avances pas trop. Ça.
Pourquoi on m'avance pas trop? Si jamais tu glisses. Quand même, je suis loin. Avec tes crocs. Voilà. Ça, c'est une super vue. C'est magnifique. Impeccable. Pas beau là? On n'est pas bien là, ma chérie, sans déconner. 35 degrés en train de fondre, je suis au bord du malaise. J'ai plus de jambes, j'ai plus de bras, j'en peux plus, je suis fatigué. Mais qu'est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on est bien? Ça, c'est une carte postale. Cette rue, quand on descend, là, c'est une carte postale. Avec moi. Ah ouais, avec toi. Allez. Magnifique. Allez, pour le plaisir, avant de retourner au bateau, petite vue sur le poulailler qu'il y a là, magnifique. C'est magnifique. Oula, il y a un gros bateau de visiteurs qui arrive là-bas, qui va débarquer. Allez, on va prendre l'annexe, nous. On va récupérer l'annexe et puis on va aller se baigner au cul du bateau. Tranquille. Là, il y a trop de monde qui arrive, là, c'est pas bon. Allez, on se casse. Et on revient tout à l'heure pour l'apéro. Apéro au gobi. Allez, apéro au gobi. Et après, on a réservé la table au resto qui est là-haut. Allez, à tout à l'heure, les amis. On retourne en Liberty se baigner. Allez, les amis, on est à l'apéro. On est au bistrot qui s'appelle le gobi. Le gobi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait. On dirait. Moi, cet endroit-là, je le compare plutôt à un endroit... Un petit truc dans les Antilles, quoi. On dirait, c'est vrai, ça me rappelle les vidéos où je vois des gars qui sont dans les Antilles, tout ça. Et ça fait pareil, quoi. Ça fait pareil, vous voyez, l'ambiance, là. Petit bistrot en bois, tout. T'as bien le bananier derrière toi. Voilà, un petit bananier derrière, là-bas, je sais pas où. Là, derrière, là-bas. Ouais, voilà, un petit bananier qui est juste là-bas. Des poules, là. Un petit poulailler ici, un petit cours d'eau qui passe là. Là, on a un palmier. Ouais, on est au pied d'un palmier. Donc, c'est magnifique, quoi. C'est... Voilà. Là, il y a des petite oiseaux. Ambiance antille encore. Des oiseaux du paradis, là. C'est quoi, ça? Je crois que c'est des oiseaux du paradis. Des oiseaux du paradis, cette plante, c'est là. C'est des fleurs, ouais, je crois. Ouais. En tout cas, c'est un endroit qui est pas mal. Il y a beaucoup d'animaux. Il y a des chiens, il y a des poules, il y a des vaches. C'est le top. Franchement, j'adore cet endroit. Cet endroit va vraiment me marquer. Ça va être... Girolata, ça va être vraiment un endroit qui va me marquer en Corse. Voilà. Je le conseille à tout le monde. C'est fabuleux. Allez, à tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que t'as pris? Un mojito, mais c'est un mojito spécial Girolata. Mojito spécial Girolata. Et moi, un thé glacé fait maison. Spécial Girolata. Allez, on va déguster ce petit apéro là, avant d'aller au resto. On a pris rendez-vous à quelle heure? À 8h30 au resto? 8h30. Ok. Voilà. Donc, là, 8h30, rendez-vous au resto. 3/4 d'heure. Dans 3/4 d'heure, on va s'en foutre plein la panse à Girolata. Allez, c'est parti. À la vôtre si vous êtes à l'apéro. Ah, ça passe bien. Allez, à tout à l'heure. Alors, arrive au resto. On n'est pas bien là. Voilà la vue du resto. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que en face là, ici là, j'ai le Liberty. Et là-bas, sur la plage, là-bas, à côté du je vois l'annexe. Donc en fait, on voit le bateau et l'annexe de là, en mangeant. Si ça, c'est pas bien, franchement. Pour moi, c'est le top. Hein. Je mange tranquille, la tête reposée, je vois mon bateau, l'annexe, tout va bien. C'est pas vrai quand même, ça rassure. Ça rassure, mais en plus on est bien, le cadre. Ouais, en plus on est super bien, super. Le cadre est super, la vue est splendide. Franchement, il n'y a plus malheureux. Il n'y a plus malheureux. Allez, on va manger tranquille maintenant. Hein. Allez, à plus les amis. Bon mes amis, on a été manger au resto. Et là, ben, on s'est pris une bonne douche là, après le resto, tranquillement. Vous voyez les sanitaires de Girolata. Girolata. Et ici,
ils disent Virolette. Ok. Bon. Moi, je le prononce comme je sais le prononcer, c'est Girolata pour moi. Donc, ça, c'est les sanitaires Girolata. Voilà. Ils sont excellents. Ça fait esprit camping un peu. C'est ça que j'aime bien en fait. Girolata, c'est tout ce que j'aime quoi. C'est la simplicité, c'est le cadre, le concept que j'adore. Et ils adorent les animaux ici. C'est un truc de fou. Il y a des chiens partout qui se font câliner. Il y a des vaches, des poules. Enfin, tout à l'heure, quand on a bu l'apéro, c'était à côté d'un petit cours d'eau. Il y avait des tortues, il y avait des grenouilles, il y avait des anguilles. On est vraiment dans un autre monde ici. Hein. C'est vraiment le top. Hein. Honnêtement, rien à dire. Donc là, la bonne douche a fait le plus grand bien. Et là, on va aller rejoindre le Liberty en annexe. J'attends que Sophie sorte de la douche, mais elle met trois fois plus de temps que moi, évidemment. On n'a pas les mêmes cheveux déjà. Et puis voilà, une femme, c'est vachement plus long sous la douche. C'est normal. Et donc là, on va retourner au Liberty avec l'annexe. Et on va voir l'utilité que ça a. Les petites guirlandes de lumière que j'ai mis sur le portique derrière. Et vous verrez que ça sert vraiment quand on rentre au bateau et qu'il fait nuit en annexe. On reconnaît de suite le bateau. Bon, malgré que là, même sans lumière, on aurait vu le Liberty parce que c'est tellement près du rivage qu'on aurait quand même vu. Mais là, vous allez voir quand même l'utilité, c'est énorme. Voilà. Allez, je vous laisse. On se retrouve à l'annexe. Allez, on est en train de rentrer. Et vous voyez, enfin vous voyez pas encore à la caméra, mais on va voir le Liberty grâce à la guirlande. Je vous disais, voilà, donc il fait tout noir, mais ne vous inquiétez pas, Liberty, on va le reconnaître. Vous voyez, la guirlande que vous voyez là, eh bien c'est Liberty, on ne peut pas se tromper. Voilà. Il est au milieu de plein de bateaux, on slalom entre les bateaux là. Mais Liberty, il est là. Voilà. Voilà. Vous voyez l'utilité de la guirlande là. Là on se rend bien compte de l'utilité du bordel. Voilà voilà. Allez. Oh, j'ai bien dormi cette nuit là. Petit matin. Girolata. Voilà. En train de déjeuner. Réveil Girolata. Alors cette nuit j'ai super bien dormi. Voilà. On a déjà remonté l'annexe, enlevé le moteur d'annexe, tout. Voilà. Girolata au réveil. C'est super calme. Et là on s'en va direction Ajaccio. Voilà. Et comme on a entre 7 et 8 heures de nav normalement pour aller à Ajaccio. Et bien on se bouge. Voilà. T'as bien dormi? Mmh. C'était super. Super bien dormi. Ah ouais. Allez. Je t'ai réveillé. Donc on a tout préparé. On a tout préparé. Là, l'eau claire du port Girolata. Voilà. On dirait pas l'eau d'un port, mais c'est bien l'eau d'un port. Et nous, on s'en va entre la falaise magnifique que vous voyez là. Derrière, il y a Piana. Et nous, on va sortir de là. Allez, on finit de se préparer. Je vais prendre peut-être un autre petit café pour bien me réveiller là, que mon cerveau soit bien actif. Ah, j'ai déjà tout préparé. La voile est prête. L'annexe est levée. J'ai des nouveaux leurres de pêche, on va essayer de pêcher. Et puis voilà. Hein, allez, de toute manière, on y va ensemble les amis, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Allez, bye bye Girolata. Quelle belle baie, quel beau séjour que nous avons passé à Girolata, c'est pas vrai? Ouais. Là, c'était vraiment, vraiment, je me répète, un endroit calme, reposant, ah ouais, et splendide. Mais marquant quoi, c'est tout simplement un endroit marquant. Hein. Oui. Voilà, c'est
des lieux comme ça, on ne peut pas les oublier dans des voyages. C'est Girolata, c'est hors du temps. Voilà, c'est... Ah, rien à dire quoi, c'est un truc à pas manquer quoi, à pas manquer. C'est surprenant, on s'en va, on est encore surpris. Il y a encore une petite maison dans la montagne là, incrustée, c'est magnifique, un petit cabanon. Voilà, vous voyez là, la beauté de ce petit fort qu'il y a sur la montagne là aussi, on le voit mal peut-être à la caméra. Mais c'est, tout est magnifique à Girolata, tout est magnifique. L'ambiance, la mentalité, le... tout est fait pour les animaux, tout, c'est des gens super sympas. Allez, nous, on s'en va. On va descendre un peu plus au sud dans notre périple continu. On va descendre, on va essayer d'arriver là. Donc on s'en va, le Girolata qui est ici, dans le golfe de Porto et Piana et tout, enfin juste avant le golfe de Porto. On va descendre et on va essayer d'aller là, Ajaccio, les îles Sanguinaires, enfin ce secteur-là. Voilà. Allez, c'est parti mes amis, on en a pour à peu près 6-7 heures de navigation. J'irai plutôt 7-8 heures. Parce qu'on est là en plaisancier, en vacancier, donc on prend notre temps, d'accord. On ne cherche pas la vitesse, on ne cherche pas la performance, on cherche la tranquillité de navigation. On descend jusqu'à Ajaccio. Quand on y sera, on ne sait pas. Allez, c'est parti, on y va. Bon, ben un départ assez sportif de Girolata. Il y a quand même des jolis creux de, allez, on va dire 1m50, 2m. Pas besoin que je vous les montre à la caméra, vous ne les verrez pas. Comme d'habitude. Mais là, ouais, une mer assez agitée et hachée qui rentre dans le... qui rentre dans le golfe. Ouais, on a quand même des jolis creux. Bon. Comme ça, c'est la mer, c'est la navigation. Il y a des jours avec et des jours sans. J'espère que je ne vais pas dégueuler. Voilà. Donc... direction le sud, Ajaccio. Il y a 12 nœuds de vent, mais 11-12 nœuds de vent, mais dans le pif. Voilà. Et là, on a des jolis creux, ouais, de 2 mètres. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, ben. Comment tu vas? T'as pas envie de vomir, toi? Non, ça va. Moi, je sais pas. Je suis dans le doute, moi. Ça... à l'intérieur, là, il se pose plein de questions dans mon ventre. Je ne sais pas s'ils vont me faire un mauvais coup, ou... je sais pas moi. Allez, à tout à l'heure mes amis, j'espère que le vent va tourner un peu, sinon eh ben, on va faire un virement de bord, hein. Tant pis, hein. Je vais pas me taper du moteur hein. Avec une mer comme ça. Hein. Ça, c'est sûr. Allez, on va voir. Et je pense que je vous reprends après un petit vomito. Allez, à tout à l'heure. Bon allez les amis, petite navigation super sympa. En sortant du golfe de Girolata, là on se prend du 16-17 nœuds, entre 15 et 17 nœuds. Donc c'est super. On a mis deux riz dans la grand voile et deux riz dans le génois. Et on est super bien, on a deux riz partout. On a 5 nœuds 4, 5 nœuds 7 de vitesse. On est super bien équilibré. Voilà. Entre 5 et 6 nœuds de vitesse, on est super bien équilibré. Tout va bien. C'est le top. Hein. Là, ça navigue. Pas de problème. Bon, mes amis. Ben, il n'y a pas que chez nous hein, que le vent change du tout au tout en 3 minutes. Donc là, le vent est tombé à 4 nœuds, voilà. En fait, tout à l'heure, vous avez vu, on avait un cap comme ça, on rentrait sur Piana pour faire un virement de bord et prendre le cap qu'on prend actuellement pour sortir du cap du golfe de Porto et redescendre vers Ajaccio, d'accord. Au moment où j'allais faire le virement de bord, pile poil au moment où je prenais mon écoute pour faire le virement de bord, le vent est tombé, voilà, à 4-5 nœuds. Donc c'est même pas la peine, c'est hallucinant, voilà. Donc là on a toujours le vent entre le bon plein et travers en faisant un bon cap, hein. Il n'y a pas de problème, mais voilà, 4 nœuds, 5 nœuds de vent avec 1m50, 2m de houle. Bon ben
Vous avez compris la suite, quoi. Moteur. 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 J'en ai marre. J'en ai marre de cette Méditerranée. C'est partout pareil, hein. On se plaint dans le 4 et tout ça, là, ouais, machin, où il y a trop de vent ou pas assez. Hein. Bon, là, il y avait pile poil le vent qu'il fallait. Tout à l'heure, on s'éclatait. Et là, maintenant, ben, c'est redescendu à 4 nœuds de vent. Bon. Allez, on prend le mal en patience, on est au moteur, on continue notre route pour sortir du golfe de Porto. Et après, on redescend direction le sud, direction les îles Sanguinaires, Ajaccio, voilà, dans ce secteur-là. Allez, c'est parti, on y va ensemble. Bon, ça m'empêche pas de me faire un petit café, là. Donc, un petit déca ou un petit espresso normal, on va voir. Entre les deux, mon cœur balance quand je descendrai en bas. Et là, il balance bien, là. Quand je serai en bas, ben, on décidera. Allez, c'est parti. Bon, les amis, le vent est revenu. On tourne entre 14, 15 nœuds, 16 nœuds de vent. On est entre le 60 et le 30, on est à peu près à 50 degrés du vent. On tourne à 4 nœuds 5, 4 nœuds 6. Et on va pas tarder à faire le virement de bord pour redescendre vers le sud, direction Ajaccio, comme prévu. Voilà. Après, c'est des super bonnes conditions. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'on a quand même là. On commence à avoir 1m50, voire 2m de houle. Et c'est ce qui est dérangeant niveau confort, voilà, c'est tout. Voilà. Parce que déjà ça freine le bateau pas mal. Et puis voilà quoi, c'est pas confort. C'est pas confort, c'est vrai. Mais bon. Voilà, ça fait partie de la nave aussi. Hein. Et là on est entre 10 et 20 degrés de gîte, donc on est bien, c'est impeccable. Voilà. La navigation continue, se passe super bien. Et là je vous laisse, on va faire le virement de bord pour descendre sur le sud, direction les îles Sanguinaires, Ajaccio. Voilà, on va descendre là, ici. Allez, on va faire le virement de bord avec Sophie et puis on se reprend après les amis. A tout à l'heure. Virement de bord effectué, le troisième virement de bord, parce qu'en fait on avait viré tout à l'heure, on a viré trop tôt et on allait trop sur la côte. Bon, là on a viré encore un peu trop tôt, mais c'est pas grave, on refera s'il faut un petit virement de bord après. Donc là on tourne bien, hein. On est entre 5 nœuds 5. Allez, dans les vagues non évidemment, mais quand on n'est pas dans les creux de vagues, on est entre 5 nœuds, 5 nœuds 5. Et il y a 13-14 nœuds devant. Voilà. Donc on tourne vachement bien. La mer est en train progressivement de se calmer petit à petit. De toute façon c'est ce qu'ils ont annoncé. Après, tout va tomber, le vent, la mer. Comme tous les jours en fait. Tous les jours ici c'est ça en ce moment. La journée il y a un peu de vent, il y a un peu de mer. Et tous les soirs, tout retombe, tout se calme. On connaît bien, là, vu que c'est midi, ben, on est en train de manger notre petite salade, tranquille. Et puis voilà, quoi dire de plus, mademoiselle Sophie. Bon appétit. Bon appétit à tous. Voilà. Si vous êtes à table, évidemment. Et cette bouée là qui fait que graisser contre l'annexe aussi, là. En train de me chatouiller. Hein. Bon voilà, allez on mange un morceau et puis on se tient au courant de la navigation. Mais tout va très bien, tout est nickel. Voilà. On est en train de s'éloigner de plus en plus du golfe de Porto. Voilà, donc le golfe de Porto qui est là. Donc là derrière Piana, là-bas la Girolata. Et puis nous on descend, voilà, direction le sud. Direction Ajaccio. Allez, on y va. Bon, t'as bien dormi ou quoi? T'as fait pas le sieste? Ouais. Ça t'a fait du bien? Ouais. Allez, c'est le principal. C'est bon.
régale. Si toutes les navigations pouvaient être comme ça, ça serait le top. 5 et 6 nœuds de vitesse, le vent il est stable entre 13 et 16. Voilà, l'allure c'est entre 30 et 60. On est bien. On est bien. Bon, là le Liberty se sent super bien. Il est bien calé à 20 degrés de gîte. On est entre 5 nœuds 5 et 6 nœuds 2 à peu près. Voilà, tranquille. Et puis il y a 14 nœuds devant, 14-15 nœuds devant. Donc c'est génial, impeccable. Là on se sent super bien. Ça trace là mes amis. Voilà. Ça trace bien là. Bon les amis, la route vers Ajaccio continue. Voilà. On va pas tarder. Enfin, on voit les îles sanguinaires. Là, on voit les îles sanguinaires là. On les voit à l'écran et puis on les voit devant surtout. Et là, on va passer à côté du rocher qui s'appelle la Botte. Alors, la Botte, c'est un énorme rocher qui sort de l'eau, qui est là. C'est magnifique. Il faut surtout pas se le prendre de nuit, ça, parce que ça pourrait faire très mal. Et tout autour, il y a des secs qui remontent. Donc faut bien faire gaffe. Enfin, moi perso, je le prends vachement large. Je le prends vachement loin. Hein. Je m'éloigne vachement en passant. Voilà. Et au fond là-bas, on voit les îles sanguinaires. Voilà, voilà. La navigation, ben, c'est constamment. On fait de la voile, il y a du vent, on fait du moteur, on a le vent dans le pif, on refait de la voile, on fait que ça. Moteur, voile, moteur, voile, moteur, voile. Et là j'ai les voiles plus un appui moteur parce qu'on est trop serré du vent, on serre trop le vent. Et si je m'écarte, je vais dans les rochers, donc c'est pas bon. Voilà, voilà. Allez, on se reprend tout à l'heure. Bon, ben allez les amis, on rentre dans le golfe d'Ajaccio. Voilà. Bon, ben, tout au moteur évidemment, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, c'est magnifique, toutes ces montagnes là. Bon, là-bas au fond, les sanguinaires, on les a passés. Et là, c'est magnifique. Là, quand on arrive dans le golfe d'Ajaccio, là, toutes ces habitations, toutes ces petites maisons là que vous voyez là, en bord de côte, là, sur la, au pied de la falaise, là, c'est magnifique. Je sais pas si à la caméra on va s'en rendre compte, mais honnêtement, c'est magnifique. Et toutes les baies en Corse sont énormes, quoi. C'est un truc de fou. La baie d'Ajaccio, voilà. Elle est énorme. Et là, on a appelé le port. Oh, je sais plus. C'est le port. Le premier port, c'est le. Voyons. Ajaccio. Le port Tino Rossi. Voilà. Pourquoi on va passer une petite nuit au port. Ou deux même, je sais pas, on verra. Parce que voilà, on a envie quand même de rentrer légèrement dans les terres en Corse. Comme je vous ai dit, hein, pour voir si on peut rencontrer des vrais anciens, quoi, des agriculteurs corses, un peu dans les terres, des choses comme ça. Apparemment, à Ajaccio, il y a un joli marché que Sophie veut faire aussi. Donc voilà, ça permettra aussi de nettoyer le bateau, tout ça, etc. De remettre quelque chose à niveau, quelques petites choses à plat, quoi. Il nous faut une bouteille de gaz, on va chercher une bouteille de gaz. Enfin, deux, trois petites bricoles qu'on fait au port avant de repartir. Hein, voilà. Donc à mon avis, on va rester une paire de jours à Ajaccio. Et après repartir, je ne sais pas où, en fait, on verra bien où le vent nous mène. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est formidable. Voilà. Bon, bah, allez, on se reprend dans le port, mes amis. Ça y est les amis, amarré à Ajaccio. Il fait très très chaud. Il fait très chaud. Il y a un super accueil aussi à Ajaccio, pareil.
Les gens sont super sympas. Mais par contre, c'est beaucoup moins joli que la Girolata. Hein? Rien à voir. C'est pas pareil. Hein? Rien à voir. Bah non. Là, c'est plutôt. Là, c'est le gros. On voit de suite qu'on est à la ville. Il y a des gros ferries. Voilà. Voilà, voilà. On est collés les uns aux autres au port. Enfin, c'est. Pas du tout pareil. Voilà. Donc, ben. C'est pas grave, on va visiter Ajaccio, on va voir un petit peu ce que c'est, on vous dira ce qu'on en pense, etc. quoi. Comme d'habitude, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour visiter Ajaccio avec nous. Allez, à plus.